Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, Adem, aujourd'hui on va faire un 24h. On avait fait une première partie sur la chaîne, ça leur avait grave bien plu. Aujourd'hui Adem, on va rester confiné. Du coup aujourd'hui ce sera un 24h confiné, mais sous une autre forme. En gros la famille, c'est vous allez décider tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui avec des sondages qu'on va mettre sur Instagram. Donc si vous voulez participer au sondage, ajoutez-nous. Donc voilà, pour de prochaines et de futures vidéos, on vous balance notre Insta, ajoutez tous. En espérant que vous soyez indulgents aujourd'hui, en tout cas on attend tout simplement vos sondages. Là on va commencer tout simplement un petit à petit, on va voir ce qu'on va faire durant la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, qu'est-ce qu'on pourra faire de trucs de bien et de mal. Après, c'est à vous de décider qui va souffrir entre moi et Adem à chaque fois. Ah oui, il faut ramener du peps, tu vois. Allez, moi je dis 30 000 pouces bleus pour cette vidéo, franchement, bombardez la famille en masse. On compte sur vous. Perfect. Et aussi, la famille, je voulais tout simplement vous annoncer quelque chose. Adem, fais-le, tu peux enlever ce que tu penses enlever. Donc voilà, je suis chauve, voilà, j'ai coupé mes cheveux dans une ancienne vidéo, en fait, j'avais fait de la merde. Cette vidéo, elle devait sortir, au final, elle est pas sortie. La vie, ça claque trop, j'ai pas tapé fort. La vie de ma mère, tu m'as fait mal, mon frère. Bon là du coup vous avez vu cette tête là, cette affreuse tête de chauve dans la miniature. Du coup je vous dois tout simplement de vous mettre le petit passage qu'on a fait en vidéo où Adem m'a coupé les cheveux. Du coup je vous balance ça, bon visionnage. Perfect. Oh wesh, le crâne. Wesh, t'es un malade de faire ça. Ah, je dois être super moche. Les fans de cette vidéo, ne partez pas. Vous avez vu ce que je peux faire pour les abonnés? Ah. Oh la gueule! Ah, je suis hyper moche. Bon voilà. C'est pas fini, t'as encore plein de cheveux. C'est pas grave, je reste comme ça. De toute façon, on est en confinement, qui va me voir à part ma famille? Ah du coup les abonnés, merde. Ouais, ouais. Bon, dites dans les commentaires ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe. On dirait Gargamel. Oh shit, oh shit. Alors on s'est préparé à l'avance, le premier sondage sur Instagram c'était: douche froide au vinaigre pour qui? Adem ou Bilal? L'autre fera juste une douche froide. 54% Adem et 46% Bilal. Du coup Adem, tu vas tout simplement te laver et à l'eau froide et au vinaigre. Et le vinaigre, qui sait que ça pue sa mère? C'est dégueulasse l'odeur, c'est... Il est dégoûté. Bon, de retour dans la salle de bain, donc c'est parti pour Adem, c'est lui qui va commencer à prendre la douche, donc... Vinaigre blanc, 8%, ça pue des pieds ce truc. La vie d'homme, c'est dégueulasse, Todder, c'est à vomir. Tu vois, ma journée, comment elle commence, tu vois? Allez, allez. L'eau froide, c'est parti. Allez, shampoing. Ah, ah. Ramène ta tête, s'il te plaît. Arrête, arrête, hein. Viens, pas dans les yeux, ça pique. Ah. Allez, tiens du vinaigre. C'est quoi cette vidéo, mon frère? C'est de l'eau froide, là. Tu vois, je touche. Ouais, c'est froid. Alors, c'est du froid, là. Ça y est, mon frère, j'arrête la vie de ma mère. Vous validez les abonnés, ça y est. Oh, il fait plus chaud dans l'air que dans l'eau. Elle se coince dans les bords, l'odeur. Tu dois puer la merde. Ça sent la pomme de peau. Bref, en tout cas là, moi j'ai droit au shampoing, mais j'ai pas le droit à la douche chaude, du coup ce sera la douche froide. En fait c'est pareil que moi. Hein? C'est pareil que moi. Toi t'avais le vinaigre ma couille, tu pues la merde. Ouais mais j'ai mis du déo. C'est parti, pour la douche froide. Oh, je suis un bonhomme, moi je suis un bonhomme, moi je suis un bonhomme. Alors? Comment t'as fait? Ah, fais comme si c'était chaud. Vas-y, c'est chaud, au calme. Ah, ça fait du bien. J'ai grandi à la plage. Eh, en fait, on arrive à prendre l'habitude. C'est comme la piscine ou la plage. Bon, vas-y, je vais faire ma douche, moi. La famille, on se recapte quand j'ai fini ma douche froide. Ouais, tu mens, comme ça, tu mets l'eau chaude quand je pars. Vas-y, tu surveilles ta grand-mère. Du coup la famille, nous avons tout simplement fini nos deux douches. Là j'ai demandé tout simplement aux abonnés sur Instagram. La vie de ma mère, Adem, ne fait pas ça, la vie d'homme, je rigole pas avec toi. Ne le fais pas non plus, la caméra, l'objectif, il souffre là en fait, sauf que tu sais pas. Oh, je suis sûr là les abonnés derrière leurs écrans, ils ont senti l'odeur. Bref, j'en ai profité pour mettre le deuxième sondage sur Instagram. T'as béquillé. Après la douche, qui se brosse les dents avec de la moutarde? Adem ou Bilal? Vous avez 5 minutes. Starfoula de la moutarde. L'autre se brossera avec du dentifrice normal. Bon, en réalité, je me suis pas douché avec le vinaigre, donc la moutarde, franchement, je suis chaud. Non, mais la moutarde, c'est fort quand même. De toute façon, c'est à eux d'en décider. C'est quoi tous ces trucs forts là? Bon, on attend la réponse. Pour l'instant, on s'habille. Alors, la famille, on a fini de s'habiller. Donc là, c'est parti pour le résultat du sondage. Après la douche, qui se brosse les dents avec de la moutarde? Oh, 60% Bilal. Vas-y, je suis dégoûté, j'ai pas envie de le faire. Allez hop, les dents jaunes, c'est parti. Non, les dents vertes. C'est jaune la moutarde. Ta gueule. Bon, du coup, c'est parti, j'ai la moutarde, j'ai la brosse à dents. Mais ça, c'est pas ma brosse à dents, c'est la brosse à dents à Adem. Et c'est pas intéressant de filmer Adem en train de se brosser les dents avec du dentifrice, du coup. Où est ta brosse à dents, Guilhem? Ma brosse à dents, elle m'a regardé. En fait, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était ça, et quand j'ai tiré le truc, et en fait, je vois que c'est un truc qui ressemble à rien. Et en gros, ma brosse à dents, je sais pas du tout où elle est. Du coup, technique de Hesse, technique de l'ancienneté. Ça sent Marseille, Dijon, Marseille, Lyon. Technique de Hesse, vous prenez votre gros doigt, sa grand-mère, vous mettez là-dedans. Vous prenez la moutarde, ça suffit à l'aide ce que j'ai mis? C'est parfait. Vous ouvrez la bouche, on y va.
C'est un goût de moutarde. Bah logique, c'est de la moutarde. Ah ouais, je sais. Ah, ça pique. Voilà. Ouais, j'étais sérieux. Ça, merde, vie de ma mère, je rigole pas. Mais c'est bon pourtant. Je vous le déconseille, c'est fini, je mange plus de moutarde. Ça pique, ça pique. On dirait que j'ai bouffé une poule. J'ai ressenti l'âme, elle a fait. Ouais. Elle est re-rentrée en moi. Je réessaye pour les abonnés parce que c'est pas du jeu. Voilà, ça suffit à même. Mais vous brossez les dents. Voilà, brosse, brosse. En fait, faut pas que je sente, faut pas que je me dise il y a du goût dans ma bouche. Parce que si je me dis qu'il y a du goût dans la bouche, je vais vomir. Ah, ça pique. Ah, ça pique le contour de la bouche. Voilà, ça pique le contour de la bouche. Ah. Vous validez les abonnés, y'a pas de truc bizarre, s'il vous plaît, je vous aime. Vous connaissez Bidel, la famille, tout ça. Du coup, voilà. Perfect. Bon bah voilà, j'arrive pas à parler, je pue de la gueule, j'ai mal au contour de la bouche, ça brûle, la moutarde m'a déglingué, wallah. Les abonnés, vous êtes trop méchants avec moi. J'espère que vous allez être gentils prochainement. Donc on continue. Alors là, on va passer directement à la bouffe du midi, Adem. Parce qu'en fait, le temps il passe tellement vite qu'il est déjà midi 20. La vie d'homme, c'est trop rapide. Ouais, mais ta grand-mère arrête de regarder le retour, regarde la caméra. Pardon, c'est. Alors pour le sondage, on s'est préparé à l'avance. Alors qui mangera un bon hamburger, Adem ou Bidel? Et l'autre, bien évidemment, devra manger une salade. Bon, on regarde le résultat du sondage après 10 minutes d'attente. Et on va pas vous mentir, j'ai grugé, on a regardé, j'ai regardé avant et je sais que j'ai perdu, j'en suis sûr et certain. Vas-y, regarde. Adem, à 51%, mangera un bon burger. Je suis dégoûté, je vous déteste. Allez hop, un bon burger pour moi, merci les abonnés. C'est parti, préparation. Comme s'il était pas déjà assez gros, moi je comprends pas. Perfect. Bon la famille, regardez, là on a mon pain, salade, tomate, oignon, fromage. Et là la viande, on va la mettre à cuire. En étant un dinosaure, moi j'oublie la sauce. Une fois que le steak est cuit, on passe au montage du burger. Voilà le merveilleux bout de steak sur le pain fait maison. Le cheddar, salade, salade, tomate, 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 oignon, oignon. Il est magnifique. Bon voilà, j'ai la haine, je vous dis juste que j'ai de la salade, c'est parti, mangez, faites ce que vous voulez, toi je m'en bats les reins, toi. Regardez, l'explosion de saveur, bon appétit. Bon à grand, c'est vrai qu'avec ça je vais être calé. C'est super fat. Eh, je vous mens pas, je préfère arrêter de manger, je m'arrête là-dessus. Ça sert à rien, c'est une salade, il y a juste de l'herbe là. Franchement, c'était pas nécessaire ce Adem, un burger. Merci, merci les abonnés. Bon, vous savez quoi, je me dois de lui faire un petit room tour. Parce que franchement, juste lui là, c'est une chambre, attendez. Donc voilà Bilal, qu'est-ce qu'on a pensé de ce midi? Franchement c'était dégueulasse, ça avait un goût de salade en fait. Ça avait un goût d'herbe, je croyais que j'étais un lapin, un animal. Franchement, c'est pas pour vous dénigrer ou quoi que ce soit, mais les végétariens, force à vous, les végans, vous êtes super forts. Je ferai jamais ça de ma vie, la viande c'est la vie. Après vous pensez ce que vous voulez, moi c'est mon ressenti. Bon alors du coup j'en ai profité pour mettre un autre sondage sur Instagram. Alors le sondage c'est qui fera du sport habillé en mode hiver, doudoune, tout ça. Waouh, la sueur qui va arriver sur le corps ça. L'autre jouera tranquillement à Fortnite. Oh Inch'Allah, je joue à Fortnite, comme ça ils vont revoir mon niveau. Comment je suis hyper fort alors qu'Adem il est hyper nul, c'est pas intéressant qu'il joue à Fortnite. Et lui il mérite de faire du sport, il doit faire du sport pour sa survie. Il a grossi, il vient de manger un burger, il doit faire du sport. La famille, vous savez qui voter. Tu sais quoi, on se retrouve dans 10 minutes. Perfect. Il a mis en polaire. En me regardant comme ça, vous savez que c'est moi qui ai perdu. À 60%. Allez hop Adem, c'est parti pour aller faire du sport. Tu sais quoi, je vais être ton caméraman coach sportif aujourd'hui, on y va. C'est parti. Merci d'avoir voté pour moi, d'un côté ça va me faire maigrir et j'en ai bien besoin. Donc la famille, vous êtes avec moi, donc c'est parti, je vais faire du petit Fortnite, on va aller en solo tranquillement. Franchement, maximum de GG pour Adem, ça doit être très dur pour lui à ce moment-là. Pendant que moi je me fais plaisir sur les jeux vidéo, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps quand on est confiné sur les jeux vidéo. Bon c'est parti, on se retrouve sur Fortnite. Bon là la famille, je suis dans le jardin, c'est parti pour taper dans le sac de frappe, let's go. Re la famille, du coup voilà, on est sur Fortnite Battle Royale, donc voilà, on est en solo, on y va, c'est parti. Ça fait plaisir de pas être avec l'autre gros lard d'Adem. C'est parti, go slurpy, on y va. C'est parti, on a atterri. Un petit coffre, une petite mini, voilà, ça fait plaisir. La famille, dites à peu près, je veux faire combien de kills dans les commentaires. Et si je veux faire top 1 ou pas. J'entends quelqu'un. Yes, premier kill, c'est parti, on continue. Maximum de GG en commentaire. Petit coffre. Oh là 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 là. Ça, c'est bon, ça. Y'a un mec, y'a un mec. Ah, le shoot. Le shoot! Fils de. Allez hop, deuxième kill, on continue. Oh, ils sont où les méchants là? Y'a personne! Fils de. Oh, le vieux shoot! Et bon, on va rester là toute notre vie, c'est parti. Tu peux me sniper autant que tu veux, je reste confiné ici, je bouge pas. Allez, en plus, il est nul.
il a l'air méchant, j'ai peur. Bon là, après 20 minutes de tapage dans le sac de frappe, on passe au biceps avec les haltères. Et je peux vous dire qu'avec la doudoune, c'est pas facile en fait, ça fait suer 10 fois plus. Fils de ta mère, la chaud! Pourquoi? Sa grosse tante, sa mère, son père, sa sœur, et ben je les aime bien. Bon là, je vais enchaîner 5 burpees, puisque en fait, je suis lourd, j'ai du mal à me lever d'un coup en l'air. C'est parti, j'enlève les gants, ça glisse par terre. J'arrête. Oh, mes épaules, tu crois, c'est quoi? Ça démarre, en fait? La famille, soyez compréhensible, s'il vous plaît. J'ai fait taper dans le truc, les biceps, et là, des burpees. Vous savez quoi? Des petits abdominaux pour finir. Ah, la famille, c'est comme ça, les abdos, ah ouais, on est d'accord. Dites en commentaire. Alors Adem, comment ça s'est passé ta séance de sport? Bah moi franchement, j'en ai bavé mais bon, j'ai tenu. Et toi, comment ça s'est passé? J'ai été nul sur Fortnite. Ah les abonnés, j'ai pas ragé. Comment ça, t'as fait un truc de ouf? De toute façon, je verrai au montage. Bon du coup Adem, on continue tout simplement le reste de la journée. Donc Adem, là je te propose tout simplement bah qu'on fasse un goûter. Mais attends, qui est-ce qui va faire le goûter? Adem ou Bilal? C'est sur Instagram. Mais on fait quoi comme goûter genre? À toi d'en décider hein. Alors après 15 minutes d'attente, 65% pour Bilal qui prépare le goûter et 35% Adem. Bon merci à tous la famille de m'avoir choisi étant donné que j'aime bien la cuisine, vous savez très bien. Du coup, je vais faire le goûter, je vais préparer tout ça en cuisine. Je pense déjà avoir l'idée de ce que je vais faire. Je vais préparer des beignets. C'est parti en cuisine. Perfect. Bon, c'est parti en cuisine. Donc Adem, regardez, la famille, j'ai mis tout simplement des gants. Donc voilà, c'est super important. Je vais travailler avec ces gants-là parce que c'est les gants du Covid-19. Non, en réalité, j'ai pas envie de partager mes bactéries à tout le monde. Du coup, je me lave les mains même à travers ça. Ça peut traverser. Bon du coup Adem, bah c'est parti tout simplement pour les beignets. Et attends, j'ai un truc à dire. Ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui t'as mangé un burger et aujourd'hui tu vas manger des beignets et tu vas rien foutre en fait. J'ai fait du sport. J'avoue, le sport ça peut compenser, vas-y je parle pas trop. Bon c'est parti pour le beignet, recette très simple. Donc regardez, vous prenez tout simplement un œuf, de la farine avec de la levure chimique mélangée. Vous mélangez petit à petit, vous rajoutez donc du sucre. Et là vous prenez votre beurre, vous le mettez à l'intérieur et vous mélangez bien comme il faut aussi. Et là vous rajoutez du lait petit à petit. Vous mettez du lait ici, voilà, et vous mélangez. Après vous venez tout simplement la laisser gonfler à l'intérieur pendant une heure, donc on se retrouve dans une heure. Wesh, il sera 19h. C'est pas grave, on fait le goûter à 19h et on mangera à 22h. On s'en bat les reins, c'est le confinement. Du coup on recouvre la pâte, voilà, on la laisse reposer. À tout à l'heure. Bon, la pâte s'est reposée soit une heure après, donc regardez ce que ça donne. Donc voilà, j'ai étalé la pâte. Donc là, tout simplement, vous prenez un verre et vous faites tout simplement des ronds. Et voilà, ça va prendre la forme de vrais beignets. Donc voilà, et vous en faites plusieurs. Donc voilà ce que ça donne tous les beignets, voilà. Après, tout simplement, vous prenez des beignets et vous les mettez délicatement dans l'huile bien bouillante. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, on les enlève de l'huile. C'est magnifique, ils ont l'air sublimousse. Ils ont bien gonflé. Et voilà ce que ça donne. Alors là vous prenez un beignet comme ça. Franchement il est magnifique, il est bien réalisé. Et après vous le trempez tout simplement dans le sucre glace. Et regardez ce que ça donne, ça a l'air magnifique. Vous pouvez même le tremper dans le Nutella, dans ce que vous voulez, de la confiture. On goûte. T'en as plein la bouche. C'est super bon, franchement je valide. Vas-y Adem, goûte, tu me dis ce que t'en penses. Bon allez Bilal, on goûte ton chef d'œuvre. La vie de ma mère, on dirait un gâteau arabe. Dedans ça fond. Bon allez, je finis ça tranquillement. Bon là la famille ça rigole plus du tout parce qu'il y a quelques minutes on a mis un sondage. Et le sondage c'est quoi Adem? Qui fait un freestyle, on va voir nos talents de rappeur. 60% Adem et 40 Bilal. Oh là 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 Adem, en vrai ça va être super gênant la famille, franchement. Eh, je sais pas rapper, j'ai jamais rappé de ma vie. Alors si on a un qui taille, fais mieux. J'ai honte d'assister à ça. C'est parti, on commence, allez Adem, t'es prêt? Non. Grosse dédicace à Selomar, merci d'avoir trouvé l'instru. Sa chaîne dans la description. Ma première ambition, être le meilleur du départ. J'habite dans le 27 et c'est déjà un faux départ. Ok. Tous ces bâtards ne voient que moi, ils veulent tous me mettre à terre. Deuxième ambition serait d'investir de la pierre. Ah c'est chaud. Ok. C'est super gênant. J'écris pas en étant malade. Imagine quand je serai en forme. Ta pétasse se balade. C'est moi qui t'aimasse et forme. Troisième ambition serait de venir chez elle. Oh suis le rythme là. Combattez les belles. Cette demoiselle est méritante. Wesh Marcelo, le texte là c'est quoi? Bye bye. C'est super gênant. Non en vrai voilà le texte il est bien. Franchement c'est bien trouvé pour un débutant. Je sais pas rapper. Ma première ambition, être le meilleur du départ. J'habite dans le 27 et c'est déjà un faux départ. Ta grand-mère la chauffe et je la démonte à sa grand-mère. Vas-y arrête d'insulter. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec de l'entraînement. Un jour si vous voulez on fera une vidéo là dessus. En mode on s'entraîne pour faire un petit rap, un petit son. Dites dans les commentaires si ça vous plairait. Mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec de l'entraînement. Mais nous on est meilleur je pense dans la musique Adem. Ouais dans le chant genre. Parce que le rap c'est pas fait pour nous, on est pas trop rappeur. En plus j'aime pas trop ce délire. Je préfère l'écouter, j'aime pas le chanter. Chantonner genre. Hey baby. Même ça je sais pas le faire, vas-y je sors. Voilà sors. Maman. Voilà.
Donc voilà, c'était notre petit confinement. Contrôlé par vous. Ça fait grave plaisir. Maximum de pouces bleus à cette vidéo. Sur ce, la famille, partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Perfect.